soutient l'Église. Oh, 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 les piliers qui soutiennent l'Église. Oui, sans guerrier, les piliers qui soutiennent l'Église. Oui, sans guerrier, les piliers qui soutiennent l'Église. Chantons encore une fois le pilier qui soutient l'Église. L'Église est ton épouse, Seigneur. Les piliers qui soutiennent l'Église. Oui, sans guerrier, les piliers qui soutiennent l'Église. Précieux Jésus, les piliers qui soutiennent. Prie au nom de Jésus-Christ pour le souffle de vie qui t'a donné encore une fois. C'est lui le pilier de ta vie. C'est lui le pilier de ta famille. C'est lui le pilier de l'Église. Car il est l'époux de l'Église, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, en ces moments. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie, Seigneur. Que tu as renouvelé en chacun de nous, oh Jésus. Seigneur, je me souviens, on était comme des morts pendant la nuit, Seigneur Jésus. Et tu nous as fait rêver, Seigneur, le matin. Par ta grâce, Jésus. Seigneur, qui suis-je devant ta face? Si ce n'est que de te dire, Seigneur, merci. Toi qui es le pilier, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Toi qui es la lumière, Seigneur, de nos vies. Toi qui es le salut, Seigneur, de nos vies. Oh Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce soir. Ce soir où représente le jour du repos. Le jour où tout le monde doit adorer notre roi de rois. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé l'homme à son image. Il s'appelle Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour cette soirée exceptionnelle, Seigneur. Où là où deux ou trois personnes sont rassemblées, Seigneur, en ton nom. Seigneur, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, nous reconnaissons que tu es au milieu de nous. Car nous sommes plus de trois en ces lieux, Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Oh Jésus. Oh Rabashit. Rie Rabashit. Ramane. Rie Thank you.
sommes pas parfaits devant sa face. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit vis-à-vis de nos frères et sœurs? Même en venant à l'église, qu'est-ce qu'on n'a pas pensé de nos siens? Encore une fois, nous allons demander pardon. Il est écrit, Dieu n'écoute jamais la prière de péché. God never listens to prayers of sinners. Prions au nom de Jésus-Christ. Let's pray in the name of Jesus. Seigneur. Peut-être la façon, Seigneur, de parler a touché le cœur de nos frères et sœurs. Peut-être la façon d'agir a touché nos frères et sœurs. Peut-être la façon de penser, la négativité a touché le cœur de nos pasteurs, même des serviteurs de Dieu. Tu es consciente ce que tu médites en toi de mal. Par rapport à un serviteur de Dieu. Par rapport à tes proches. Par rapport à tes frères et sœurs. Demande pardon à Dieu. Dieu veut écouter ta prière. Jamais on peut entrer dans le parvis de Dieu avec le péché. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin d'écouter ta prière. Seigneur Jésus, Seigneur, nous sommes dans ton parvis, Seigneur, pour se décharger, Seigneur, des fardeaux, Seigneur, qui avaient dans nos cœurs. Des fardeaux, Seigneur, qui nous dérangeaient. Jour et nuit, Seigneur. Peut-être nous avons critiqué, Seigneur, nos bons frères. Peut-être nous avons critiqué nos oncles. Peut-être nous avons critiqué nos nièces, nos tantes. Le cœur de l'homme est tortueux. Seigneur, je prie, Seigneur. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Décharge-leur, Seigneur, de leurs péchés. Pardonne leurs offenses, Seigneur. Pardonne leur iniquité. Pardonne-leur transgression, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, devant ta face. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, nous sommes là pour chercher comment est-ce que à détourner la voix de Dieu.
Les gens sont là, Seigneur, pour chercher à détruire ton épouse, Seigneur. Ils sont là, Seigneur, pour détruire tes soins, Seigneur. Pardonne-les au fond, Seigneur Jésus. Comme tu nous as dit, Seigneur, dans ta prière, tu nous as pardonné, comme nous aussi, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Oh Seigneur. Merci pour le pardon du péché, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé à la croix. Le sang qui nous a purifiés. Le sang qui nous a lavés. Malgré le sacrifice de famille. Mais ton sang nous a rachetés. Malgré les maladies héréditaires, ton sang nous a guéris. Malgré le ténèbre de nos familles élargies, paternelles ou maternelles, par ton sang, Seigneur, tu nous as éclairés. Seigneur, que ton sang, Seigneur Jésus, prends le contrôle de ces lieux, Jésus. Moli, 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 nanzambe, akita awanase. Lisungi nangai molimo molimo nanzambe akita awanase lisungi mobokoli nangai kelasi nangai yo. Nasilisi nanu koyekolate zalana nanu masolo nangai poelongo langa po ongi nabete lango nani yaya nalingi na yeba masolo nangai. Oye longo langa po ongi na bete lango nani yaya lobanga na yoga molimo 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 na nzambe kita kati de sika oyo nzambe. Molimo, molimo, nanzambe, akita, nase la kayo. Oh, nase la kayo, nase la kayo, nase la kayo. Nazela kayo Yahweh, nazela kayo Yahweh, bolingo ya bomwana Yesu. Nous avons sacrifié notre jeunesse à servir le Dieu Tout-Puissant. Nazela kayo Yahweh, nazela kayo Yesu, bolingo ya bomwana Yesu.
Je me souviens ces jours-là, le jour de la Pentecôte. Les disciples de Jésus étaient tous ensemble. La Bible nous dit, tout à coup, il y a eu un vent impétueux qui est descendu sur eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé les langues semblables aux langues de feu. Ces jours-là, la mission que Jésus-Christ les a léguée s'est accomplie. J'aimerais que tu puisses activer le Saint-Esprit maintenant là où tu es. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur. Le même Saint-Esprit qui est avec Daniel, malgré qu'il était en service avec des gens qui étaient, qui ne servaient pas Dieu. Mais la Bible nous dit, Daniel avait un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut même utiliser nos enfants. Il suffit seulement d'activer. Il suffit seulement de croire en Jésus. Le Saint-Esprit est gratuit. Saint-Esprit peut te révéler des choses cachées. Comme il a révélé à Jérémie, là où il était en prison. La Bible nous dit, Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Des choses inaccessibles que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te montrer des choses inaccessibles que tu ne connais pas dans ta famille, la vie paternelle. Dieu peut te montrer des choses cachées qui est dans ta famille, la vie maternelle. Dieu est capable de te montrer des choses cachées. Là où tu habites, là où tu côtoies, là où tu travailles, même dans ta maison, dans ta propre maison, Dieu est capable de révéler même tes enfants. Le Saint-Esprit qui a existé depuis que le monde fut, c'est le même Saint-Esprit qui est entré dans les ventres de Marie. Et c'est le même Esprit qui viendra juger le monde. Oh Jésus. Cher Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence en ces lieux, Seigneur. Merci d'avoir manifesté, Seigneur, dans chacun de nous. Nous croyons en toi, Seigneur. Notre défenseur. Notre libérateur. Bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir activé le Saint-Esprit dans nous.
Nous allons maintenant prier pour nos cœurs. Pray for our hearts. Vous savez, avec ce qui s'est passé dans le monde, with everything that's happening in the world, avec ce qui se passe dans notre pays, l'RDC, what's happening in our country, the DRC, les gens meurent jour et nuit. People are dying. Il y en a d'autres qui disent some other people say, que c'est le COVID-19. Maybe it's the coronavirus. Il y en a d'autres qui disent other people say, c'est l'empoisonnement. They're being poisoned. Il est écrit, it's been written, ce peuple m'honore des lèvres. My people are honoring me by their mais leur cœur but their hearts sont éloignés de moi. Are far away from me. Nos cœurs our hearts sont éloignés de Dieu. Is far away from God. Malgré nous venons dans la présence de Dieu. Even though we're coming to his presence, malgré nous adorons Dieu. Even though we're worshiping, nous sommes là pour critiquer. Nous sommes là pour médire. We're here to criticize. Nous sommes spécialistes de poison. We poison others. Nous sommes là pour signer des décrets sataniques. Nous sommes là pour chercher comment est-ce qu'à détruire les serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour chercher comment détruire l'église de Dieu. Nous sommes là pour chercher à détruire les familles. Mais nous nous disons chrétiens. Nous nous disons serviteurs de Dieu. Nous nous disons fils de Dieu. Nous nous disons filles de Dieu. Nous nous disons disciples de Dieu. Mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. Il est vrai. It's true. Il est vrai. It's true. Nos cœurs sont éloignés de Dieu. Et à travers le Saint-Esprit, nous allons demander un cœur nouveau. We'll ask for a new heart. Que Dieu puisse transformer nos cœurs. Transform our hearts. Heureux l'homme. Happy is the man. Qui a le cœur pur. He has a pure heart. Car il verra Dieu. Because he will see God. Heureux les hommes qui ont le cœur pur. The people with the pure car ils verront Dieu. Because they will see the prions Lord. Pour nos cœurs. Let's pray for our que hearts. Dieu puisse transformer réellement nos cœurs. Ôtez l'hypocrisie hors de nous. Il y a trop d'hypocrisie dans l'église. Nous faisons semblant à nous aimer. Mais nous sommes hypocrites les uns les autres. Prions réellement Dieu qu'il puisse transformer nos cœurs réellement. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous ne voulons pas être comme des pharisiens. Seigneur, nous ne voulons pas être comme les spécialistes de la loi qui connaissent tout. Mais leur cœur sont éloignés de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons avoir un cœur pur, Seigneur. Seigneur, à travers le Saint-Esprit, transforme nos cœurs réellement, Seigneur. Que nous puissions avoir l'amour, Seigneur. Que cet amour-là demeure réellement dans nos vies, Seigneur. Pas l'amour par hypocrisie, Seigneur. Mais le vrai amour. Quelqu'un qui a l'amour ne peut pas empoisonner son prochain. Mutoazana bolingo. En bois que la moninga n'emba souté. Mutoazana bolingo. En bois que la moninga n'est malade en PCT. Mutoazana bolingo. A colombe la moninga n'est ma bête. Mutoza na bolingo. Agoto sababoti na ye. Mutoza na bolingo. Aozo mosi moninga te. Mutoza na bolingo. Ako bomate. Mutoza na bolingo. Ako konfoate te. Le 10 commandements de Dieu. The 10 commandments of the Lord. Résumé par l'amour. It's
Muto azana bolingo. Akwa adore nzamba bike kote. Akolinga nzambe na motema na emoli mobimba. Prions, prions notre Dieu. Que notre Dieu puisse transformer réellement nos cœurs. Puisse transformer réellement nos cœurs. Pas par hypocrisie, mais réellement prions, prions, prions. Prions, ouvrons nos bouches. Dieu a besoin d'écouter nos prières. Dieu a besoin de toucher chacun de nous. Dieu a besoin de transformer nos cœurs réellement. Seigneur, transforme nos cœurs. Seigneur, nous voulons un cœur nouveau, Seigneur. Seigneur, nous voulons un cœur nouveau, Seigneur. Seigneur, mets un cœur nouveau, Seigneur, en nous, Seigneur. Seigneur, mets un cœur nouveau, Seigneur, aux Congolais. Seigneur, mets un cœur nouveau, Seigneur, aux Africains. Nous allons prier encore une fois. Nous allons prier pour tous les Noirs qui sont dans le monde. Les Noirs sont libérés, ne sont plus esclaves physiquement. Mais spirituellement, nous sommes des esclaves. Spirituellement, nous n'avons pas d'opportunité pour gérer nos biens dans nos pays. On est géré par d'autres gens. Nous allons prier pour le noir, pour tous les noirs de ces mondes. Nous allons prier pour le noir de l'Afrique. Nous allons prier pour le noir américain. Nous allons prier pour le noir qui sont dans le monde. Que Dieu puisse libérer spirituellement le noir. Puisse nous libérer spirituellement. Prions au nom de Jésus-Christ. D'accord. Nous avons besoin de Camon. Maloba na yo. Nzambaza na besoin ko kalo sambo na yo. Bibile si biso foto bonde la pona bato nyonso tu. Physiquement, toi za esclavé. Mais spirituellement, toi za ka esclave. Spirituellement, toi za dépendre. Kaka. Na ras mususu. Mais nous avons cette opportunité-là de gérer nos pays. Nous avons cette intelligence-là à travers le Saint-Esprit de développer nos pays. Mais nous sommes bloqués parce que nous sommes emprisonnés spirituellement. Nous ne pouvons pas avancer. Quand nous mettons un pas et nous nous revenons toujours en arrière. Parce que nous sommes esclaves spirituellement. Raison pour laquelle j'aimerais que tu puisses sortir les mots dans ta bouche. Il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Sont au pouvoir de la langue. Fais sortir les paroles de ta bouche. Le monde en union sont tous les esclavagismes. Même aux hommes physiquement, quand ils n'arrivent pas à la maison. Banami Bali Batanga. Mais Bakoma la fille à Zododo. Bakoma Bakuluna. Banabasi Basi Kitoko. Mais Baboti Saboti Sabango. Ils sont emprisonnés. Le diable les a emprisonnés. Nous allons prier pour eux maintenant. Que Dieu puisse les rendre libres. Ndeko yo kasi ba homme leso baza na nzela. Misusu saka ba homme la diamba. Some of them were
Ils étaient véhiculés. They had cars. Ils avaient deux maisons. They had houses. Ils étaient friqués. Mais ils ont été égarés. Et cela les a amenés en prison. Prie, mon frère, ma soeur. Pray. Dieu a besoin d'écouter ta prière. God wants to listen to your prayer. Matissa Degré a prié. Ngaiwana Mino. Oyo papa to koko. Azaraki nanzelo kintisme. E kanga libota. Koko na azaraki chef coutumier. Kote bo tata, kote bo mama. Vina bino e kangama. Bozan États-Unis, lokola bozan États-Unis te. Bozan Europe, lokola bozan Europe te. Bozan mbongo, lokola bozan mbongo te. Soki lelo zui mbongo. Lobi ba bengi yo, fulano na Congo akufi. Soki yo zui mbongo, ba bengi yo fulano na Congo aza maladi. Ndeko, orozo conscience te, que tu es emprisonné. Il faudrait chercher réellement la face de Dieu à travers la prière. Seigneur, je prie, Seigneur. Seigneur, libère ton peuple là où ils sont, Seigneur. Seigneur, libère, Seigneur, tout le noir dans le monde, Seigneur. Là où nous sommes emprisonnés spirituellement, Seigneur. Seigneur, rends-nous libres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous allons prier pour le malade. We'll pray for sick people. Nous allons prier pour les aveugles. Nous allons prier pour le paralytique. We'll pray for paralyzed people. Dieu nous a donné le fardeau pour prier pour ces gens, God les aveugles, the burden to pray le for paralytique. All these people. Le sourd, le miwe. Et parmi nous, dans nos communautés, il y a des gens qui souffrent de ces maladies. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier même pour les gens qui sont atteints du sida. Nous devons prier même pour les gens qui sont atteints du cancer. Nous devons prier même pour les gens qui ont de maladies cardiovasculaires. Nous devons prier même pour les gens qui ont de maladies cérébrales. Prie au nom de Jésus. Prie. Bimisa malobeza katinayo. Toyemba ki tozo matisa prier. Niveau te me prier. Il y a un homme qui s'est prié en ailleurs. Ceux qui priaient en ailleurs, ils ont 20%. Les hommes qui s'est prié en 70%. Dieu a besoin d'écouter ta prière. Pour être une décoration, mon atamona. Oh Seigneur. Seigneur. Lazare appelé la qui au fils de David ait pitié de moi. Seigneur, toi tu as dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, Lazare a dit, Seigneur, je veux voir, Seigneur. Nzambe katina mabota na biso yo yebi nzambe. Nzambe yo za capable ko fungola ba ba zo mona te miso nzambe. Seigneur le paralytique qui était
dans la piscine. Il attendait l'ange pour secouer de l'eau, Seigneur. Menzambe, tango kutana kina yo epsaki lève-toi, Seigneur. Seigneur, mutu azo tambola te tambola Nzambe. Il avait deux esprits mauvais. Il avait deux esprits mauvais. Nzambe tikete yo bikisa ye. Seigneur, nous prions même pour le prostitué, Seigneur Jésus. Parmi les prostituées, Seigneur, ezana ba fille na yo bazali Jésus. Mais elles ont été égarées, Seigneur. Vitrine Zambé. Mais baoba bengami epaina yo. Baoba bengami bapona mi Seigneur bazonga na bergerie Jésus. Those are your daughters. Seigneur, nous prions Seigneur pour le voleur le kuruna. Seigneur, je me souviens ce jour-là à la croix. Moïbi o reconnaita ki kombo na yo Yesu Masia. Yolo baki ete yona e bozana lola, Seigneur. Seigneur, il y a parmi bakulu na wana nzambe. Parmi ces voleurs, il y a tes fils, Seigneur et filles. Où ils doivent rentrer, Seigneur, dans la bergerie. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour eux. Que ton nom soit loué, soit glorifié, soit magnifié. Nous t'adorons Jésus. I'm worshiping you, my Lord. Nous te remercions Seigneur car tu es Dieu. Thank you, because you're God. Nul n'est comparable à toi, Nobody Seigneur. Is like you, my Lord. Seigneur, quand les philosophes se disent qu'ils sont plus sages que ce monde. La Bible nous dit que tu es la sagesse des dieux. Seigneur, quand les hydrologues disent qu'ils sont plus forts à détecter la science des eaux, la Bible nous dit que tu es la source intarissable. Seigneur, quand les maçons se disent ils sont forts à construire la maison. La Bible nous dit que tu es le solide fondement. Seigneur, quand le premier né se dit que je suis le premier, la Bible nous dit que tu es le premier né. Seigneur, quand les chefs de l'état-major, hausse les tons, disent qu'ils sont plus supérieurs. La Bible nous dit, tu es le chef de l'armée céleste. De l'électricité. Mais la Bible nous dit que tu es la lumière du monde. Oh my God. Seigneur, quand les boulangers disent je peux malaxer ma pâte pour créer un pain, la Bible nous dit que tu es le pain de vie. Oh my God. Seigneur, tu incarnes en nous, Seigneur. Seigneur, tu es tout pour nous, Jésus. Raison pour laquelle, Seigneur, nous t'adorons, Jésus.
Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Car tu es tout pour nous, Jésus. Tu es Alpha et Omega. And Omega. We worship you. Seigneur, avec un cœur sincère. Devant Seigneur ton parvis, Jésus, pour élever ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Avec le peu de temps, nous allons louer notre Dieu. Je pense que c'est un morceau que nous connaissons mieux. Et je veux laisser cette partie à notre groupe d'adoration. Mungu ama bombie Si ukale uwe Mungu ama bombie Si ukale uwe Mungu ama bombie Si ukale uwe Yeah.
Palais tous écrit dans son palais tous Seigneur son nom c'est Jésus 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 Seigneur de
Amen, amen. Nous allons maintenant préparer nos cœurs. Nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Disposons nos cœurs afin que nous puissions recevoir la parole qui va éclairer nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. God, we want to thank you pour cette grâce que tu nous donnes. For this grace that you're giving us. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Thank you because you're among us. Merci parce que tu nous as bénis par ton esprit. Thank you because you bless us with your spirit. Merci parce que tu as agréé nos prières. Thanks because you agree our prayers. Merci pour ta fidélité. Je voudrais encore une fois que chacun de nous adore ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux. Que chacun de nous, bien-aimés, puisse réaliser qui est Dieu. Nous voulons élever nos cœurs vers lui, ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant. Parle à Dieu. Tu es devant celui bien-aimé qui a donné sa vie pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il a payé le prix. Adore Dieu encore une fois. Adore Dieu de tout ton cœur, car il est Seigneur, il vit à jamais. C'est toi l'Éternel des armées. C'est toi le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Oh, c'est toi que nous élevons en ces lieux. Seigneur, règne au milieu de ton peuple, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Il n'y a pas d'autre que toi. Le Dieu qui s'appelle Je suis, c'est toi que nous élevons au milieu de ton peuple. Tu es Dieu. Ce Dieu est glorieux. Oui, tout vient de toi, Éternel. Le secours de nos vies. Tu es Dieu. Alléluia. C'est là où, oh Dieu, Seigneur, nous avons le secours. L'Éternel des armées. Tu es Seigneur, tu vis pour l'éternité. Very
véritable Dieu vivant. Que le Dieu de gloire soit élevé. Le Dieu tout-puissant, qu'il soit élevé. Alléluia. À cause de toi, Jésus-Christ. La puissance de l'Esprit. Oh Dieu vivant, Dieu éternel. Adorer le roi de rois, le Dieu glorieux. Pour t'adorer, les dieux véritables, les dieux vivants. Le Dieu glorieux, Jésus. Oui, nous sommes là pour toi, t'adorer, te glorifier. Parce que tu es là. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois, le Dieu véritable? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Dieu tout-puissant? Je suis en train de demander quelqu'un d'acclamer le Dieu vivant. Je demande quelqu'un d'acclamer celui qui a créé le ciel et la terre. Je suis en train de motiver quelqu'un d'acclamer encore et encore les dieux vivants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu en poussant les cris de joie? Maman, je vais vous expliquer que si vous avez un côté, vous avez un peu de zambé, ma boko. Donc, est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? On se tient debout, bien-aimés dans le Seigneur. On acclame Dieu en se mettant debout. Alors, on acclame. Acclame Dieu. Acclame le roi des rois, les dieux vivants, les dieux véritables. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Continue à acclamer, continue bien aimé, continue à le faire. Fais-le pour Dieu, fais-le pour le roi des rois. Fais-le pour les dieux tout-puissants. Il est Dieu, il est Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, la timidité que vous avez quand vous venez à l'église, ça me met mal à l'aise. Parce que quand je vous vois en dehors de l'église, comment est-ce que vous êtes dans la joie, ce que vous faites? Alors je me pose la question, si vous comprenez ce que vous faites à l'église.
Ce micro ne fonctionne pas bien. Aidez-nous à voir vraiment des choses. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je peux même stopper la prédication seulement. On est en train de faire des cris, de chanter pour Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre que là au ciel, il n'y aura pas de prédication. Là au ciel, il n'y aura que des bruits, des cantiques qu'on loue. Alors, quand vous êtes lourd, je ne comprends pas si vous aimez le ciel. Est-ce que quelqu'un aime le ciel ici? Est-ce que quelqu'un aime le ciel ici? Est-ce que quelqu'un aime le ciel ici? Alors, si tu aimes le ciel, bénis Dieu! Bénis Dieu! Bénis Dieu! Bénis Dieu! Alléluia! Les dieux de gloire! Les dieux vivants, les dieux glorieux! Il est Dieu, il est Seigneur! Moi, je m'entraîne pour le ciel! Moi, je m'entraîne pour le ciel! Moi, je m'entraîne pour le ciel! Je vais être là-bas! Alléluia! Les dieux glorieux! Ah, il n'y a que ceux-là, bien aimés, qui s'entraînent, peuvent gagner la compétition. Ne pense pas que tu seras à côté de Jésus-Christ si tu n'as pas, bien aimé, compétir et gagner sur la terre. So if you don't win here on the earth, c'est pourquoi, les amis, quand vous êtes lourd aux choses de Dieu, il ne faut pas attendre que c'est au ciel que vous allez être motivé. Ça commence ici. Start here. Alléluia. Amen. Si vous êtes kilo le coup la libanger nion sous la cacaboy, y'a pas de coup d'appel à l'eau là. Ma pour moi, libanger, besoin de vous quitter dans la moto, pensa malam malam. C'est ici, bien aimé, qu'on apprend déjà, on s'entraîne à élever, à adorer Dieu. Je ne peux pas comprendre, depuis que nous avons commencé le culte, une lourdeur terrible. Je veux chasser cet esprit de lourdeur maintenant. Que quelqu'un puisse encore, bien aimé dans le Seigneur, élever ses cieux de gloire. Les dieux vivants, les dieux tout-puissants, les dieux éternels. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, chers amis. Écoutez, la plupart de fois, nous ratons l'essentiel. Parce que nous venons dans la présence de Dieu avec des problèmes. Quand on vient de Dieu, on est surchargé par nos problèmes. Et quand on est surchargé ainsi, bien aimé dans le Seigneur, on n'est pas disposé pour adorer et élever Dieu. Et c'est moi pour dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne bénit que là où il est adoré. Dieu ne bénit que là où il est élevé. Dieu descend, bien-aimé, et là où son peuple, bien-aimé, l'élève, l'adore. C'est alors que Dieu a agi. Il n'y a pas d'autre chose. Si ce n'est, bien-aimé, vous voulez voir Dieu, alors disposez vos cœurs. Faites tout pour élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le tout-puissant, le Dieu glorieux. Seigneur, je prie maintenant pour ton peuple. Pour que Dieu, en entrant en ces lieux, qu'il réalise que tu es Dieu. Tout ce qui nous empêche, tout ce qui bloque, Seigneur, ton peuple, à t'adorer, à t'élever, je prie pour que ce soir, cette barrière tombe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui est des lourdeurs, Seigneur, tout ce qui nous empêche, oh Dieu, à considérer que tu es Dieu et c'est toi qui mérites d'être élevé, ce soir, je déclare que tu es Dieu dans nos vies, tu es Dieu dans nos cœurs et que tu règnes, tu domines partout dans nos vies et que rien ne peut nous opposer à élever celui qui nous a créés parce que tu es Dieu de nos vies. Reçois l'honneur, la gloire et la magnificence au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Nous allons prendre quelques minutes dans la prédication et puis nous allons prier. So we're going to take some minutes in teaching and then we're going to pray. Je voudrais d'abord vous remercier de votre présence. So I'm going to thank you for your presence. Dans la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez exaucé à la prière de Dieu, vous êtes revenu encore aujourd'hui. God bless you because you came back.
Ceux qui aiment Dieu, ils considèrent d'abord la maison de Dieu comme priorité. Je suis en train de dire, ceux qui aiment Dieu, ils considèrent d'abord la maison de Dieu comme priorité. Oh, we're giving priority to God, those people that know Him. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu. You cannot pretend to know to love God. Les choses de Dieu ne sont pas priorité pour vous. And these things is not priority. À moins que vous soyez malade ou vous avez notre emergency, mais sans cela, Dieu est priorité. Amen. God is priority. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler des dons d'inspiration. So we were talking about the inspiration gift. D'autres personnes parlent des dons vocaux, dons d'inspiration. Donc, c'est la même chose, dons d'inspiration ou dons vocaux, c'est ce que nous sommes en train de parler. Alors, le dimanche passé, nous avons commencé le premier don d'inspiration, le parler en langue. So we started by talking about speaking in tongues. Nous nous sommes arrêtés là où nous étions en train d'expliquer à quoi bon ces dons-là. So we were talking about why it is important. Nous avons dit que ces dons nous donnent la possibilité d'être en communion avec Dieu. It gives us possibility to be in communion with God. Et ces dons aussi, c'est un moyen pour dire des mystères avec Dieu. It's also a way to know mystery about God. Si vous voulez dire des choses que le diable ne pourra jamais entendre, say things that the devil cannot hear, il faut aspirer à ces dons de parler. So you need to talk in tongue. Parce que le diable n'entend jamais le Because langage the de devil Dieu. Cannot hear God's language. Alléluia. Amen. Donc, au travers de ces dons, so through that gift, nous sommes en train de dire des mystères à so Dieu. Talking about mystery. Et nous avons aussi dit que ces dons, c'est gift, un moment d'édification. Ça édifie l'homme. It's the time that, edification. Ça t'édifie. Ça te donne encore la force. Ça te raffermit. Gives you strength. Donc si tu as besoin à tout moment d'être édifié, bien-aimé dans If le Seigneur, be strong, désire les dons de parler. Desire to speak in tongue. Nous avons aussi dit que ces dons de parler en langue, c'est une prière. So we also say that speaking in tongue is quand, prayer. Quand tu parles en langue, When c'est aussi prier. Tongue, it's also praying. Paul l'a dit, nous prierons en langue, in nous prierons aussi avec notre we intelligence. Also pray in our mind. Amen. Amen. Donc c'est une prière. It's a prayer. Mais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il prie aussi pour nous. And also the Holy Spirit is praying for us. Lorsque nous parlons en langue. When we speak in tongues. Parce que ce sont des choses spirituelles et lui, and le Saint-Esprit, il prie pour nous. And he's praying for us. Sans que le diable puisse comprendre ce qui est en train de se passer. Without the devil knowing what we're saying. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, nous voulons parler de un cinquième bénéfice de ces dons. C'est aussi un signe pour le non-croyant. So today we're going to talk about the faith. Sign. Yeah, c'est aussi un signe pour le non-croyant. So it's also a sign for the non-believer. Quand nous lisons 1 Corinthiens 22, so when we're reading 1 Corinthiens 14, verset 22, 1 Corinthiens 14, verset 22, 1 Corinthiens 14, verset 22, la Bible dit ceci, par conséquent, les langues sont un signe non pour le croyant, mais pour le non-croyant. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour le non-croyant, mais pour le croyant. Donc, nous comprenons que les langues, c'est aussi un signe pour le non-croyant. So we understood that the tongue is also a sign for the non-believer. Alléluia. C'est un signe pour le non-croyant. Sign for the non-believers. C'est un signe pour le non-croyant comment? How? Comment est-ce que c'est un signe pour le non-croyant? How that is a sign for non-believers. Allons-y lire Actes 2, verset 6 à 7. So let's read Acts 2. Actes 2, verset 6 à 7. Verse 6 to 7. Actes 2, verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait, parlait dans sa propre
langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Amen. Le verset 8. « Et comment les entendrons-nous dans notre propre langue à chacun ?» Dans notre langue maternelle. On parle de Perses, de Mèdes, de Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille de Dieu? Alléluia. Amen. Voilà un signe pour le non-croyant. This is a sign for the non-believer. Le disciple, ils étaient enfermés. So they were in one place. Et ils attendaient le Saint-Esprit. They were waiting for the Holy Spirit. Et puis après, l'Esprit descend. And the Holy Spirit came. Et tous, ils commencent à parler en langue. They started to talk in tongues. Et les gens qui étaient là, bien-aimés dehors, entendaient ses disciples parler. Ils entendaient ses disciples parler leur langue maternelle. Leur langue maternelle, donc, la langue de leur naissance. Comment est-ce que ces gens, ils sont galiléens, mais ils parlent nos langues? Et ils attendaient des choses qui les concernaient, bien-aimés dans le Seigneur. That was for them. Un signe pour le non-croyant. A sign for the non-believer. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu décide de parler à un pécheur, when God decided to talk to a sinner, il peut aussi, bien-aimés, utiliser quelqu'un, he can also use someone, parler en langue, speak in tongues. Et seule la personne comprend ce que Dieu entend dire. Only that person can understand what he's talking about. Si Pierre avait la facilité de convaincre ces jours-là 3000 personnes, if Peter have a capacity to converse 3000 people that day, c'était parce que, bien aimé, les cœurs étaient déjà disposés, parce qu'ils ont écouté déjà des choses eux-mêmes qui sortaient de la bouche de ces disciples-là. Things that were coming out from the mouth. On ne nous a pas dit qu'est-ce que ces gens avaient écouté. They didn't tell us what they listened. Mais eux-mêmes, ils ont écouté ces gens parler dans leur langue. The disciples talking in their languages. Et le cœur était disposé déjà. And their hearts were ready. C'est pourquoi quand Pierre, bien aimé, était en train de parler, la Bible dit que 3000 personnes étaient converties. C'est un exploit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà entendu Dieu au travers de leur langue. Because they already hear God in their own languages. Et ils pouvaient dire à Pierre, so they could qu'est-ce que Peter, nous devons faire? What can we do? Et Pierre va leur montrer la voie pour être sauvé. And Peter will show them the way. Donc c'est un signe aussi pour le non-croyant. For the non-believers. Quelqu'un était en train de témoigner un jour somebody were testifying à l'église. A church. L'Esprit va le toucher puis commence à parler en langue. And the Spirit would touch him and he start to speak in tongues. Et quand il parlait comme ça, il y avait ce jour-là un invité. So when he was talking, there were one guest. Et cet invité était étranger. He was a stranger. Et cet homme, il parlait des choses que lui ne comprenait pas. Mais cet invité-là, il comprenait ce que cet homme parlait. Understand what he's talking about, but the stranger understood. Et puis il va tourner, il va dire à la personne qu'il avait invité. And he will talk to the person who invited him. Toi, tu as dit à cet homme toute so ma vie. Him all my life. Comment il parle toute ma vie? Comment il dit des choses qui concernent ma vie ici? How can he talk about my life? La personne qui l'a invité, non, moi je sais même rien parce que je n'entends même pas ce qu'il dit là. Il dit, mais il dit des choses qui me concernent, c'est ma vie. Alléluia. Personne ne pouvait écouter, mais lui-même, il entendait des choses que Dieu est en train de dire. Him. Un signe pour le non-croyant. It's also for the non-believer. Vous êtes là? Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, God, Dieu peut susciter quelqu'un parlant en langue à un moment précis to speak parce qu'il veut toucher le cœur de quelqu'un. Because he wanna touch someone's heart.
Et c'était ce jour-là que cet homme s'est converti. So it was that day that a person was et quand je lis ce témoignage-là, la femme qui avait invité cet homme à l'église sans le savoir que demain c'était le mari de sa vie. So the lady who invited the guy didn't know that that person was about to become his husband. Et après deux mois, l'homme était converti ce jour-là, il a reçu Christ et après, ils se sont mariés et ils servaient Dieu à l'église. Voilà comment est-ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut désirer les dons de parler. Le parler en langue, c'est la clé pour tous les autres dons. Quand vous commencez avec le parler en langue, c'est comme une clé qui va ouvrir à d'autres dons. Ça ouvre la porte à d'autres dons. Ça donne la possibilité que vous puissiez aussi avoir d'autres dons. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quatre choses pour activer ces dons-là de parler en langue. La première des choses, bien aimé, c'est entendre et comprendre la vérité biblique. Hear and understand la vérité biblique sur la matière. Truth. Quand vous entendez, bien aimé, on vous parle de ces choses-là. If you understand, et que vous comprenez ce que dit la Bible pour ça, c'est déjà, bien aimé, un pas pour motiver cela. Lisez avec moi Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. La Bible dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voyez-vous? La foi vient de ce qu'on entend. Quand on entend, bien aimé, ces choses, et qu'on comprend cela, if we hear and when they stand it, ça te motive, ça te pousse that pushes you à recevoir ces dons-là. To receive those gifts. Car la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends, tu dis, ah oui, je veux ça, je désire ça. Ça booste ta foi. Et parce que tu as entendu, tu as compris et que c'est la vérité de Dieu, on désire. Mais deuxièmement, bien-aimé dans le Seigneur, toujours quand on entend et on comprend, c'est que bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'on a entendu, on peut se libérer de tout ce qui était nos idées anciennes par rapport à ces dons-là. Parce qu'il y a des gens eux-mêmes, ils se sont enfermés, ils disent que non, moi, pas cette histoire-là. Cette histoire ne me concerne pas, moi, je n'aime pas de telles histoires pareilles. Mais quand vous êtes libre, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est alors que vous pouvez maintenant accepter ces dons-là. Lisez avec moi Jean 8, verset 32. Let's read John 8, verset 32. 8:32. Jean 8, verset 32. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans notre Bible, version dit, et la vérité vous rendra libre. Quand vous avez la vérité, parce que vous avez entendu, when you have the truth, you et que vous avez compris cette vérité-là que nous sommes en train de dire ici, vous connaîtrez la vérité. Et parce que vous avez compris la vérité, cette vérité vous libère maintenant. Vous libère de tout ce qui vous a, tout ce qui était en train de vous empêcher pour recevoir ces dons-là. Parce que vous avez entendu et vous avez compris la vérité. Et quand vous avez compris, vous êtes libéré maintenant. Donc, vous donnez accès maintenant au Saint-Esprit de vous toucher. Alléluia. Et chers amis, nous sommes en train de parler de ces choses pour que vous puissiez entendre et croire. Et en fin de compte, recevoir de la part de Dieu ces dons. Deuxième chose pour activer cela. Il faut croire dans ton cœur. Si tu ne crois pas dans ton cœur, tu ne vas rien voir. Rien voir, il faut croire. Quand tu entends, tu commences à croire. Je crois, je crois, moi je crois. Au plus profond, je crois, je crois. C'est don, je crois, c'est don, je crois. Si tu ne crois pas, rien ne va se passer. Lisez avec moi Romains 10, verset 8. Let's read Romans 10, 8. Romains 10,
10, verset 8 et verset 11. La Bible dit ceci. Et si Christ est en vous, Romains 10, verset 8. Qui dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et où? Dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. La parole est près de nous. Cette parole que nous sommes en train de prêcher, cette vérité des dons spirituels, elle n'est pas loin, elle est près de nous. Et cette parole aussi, c'est dans nos cœurs. Alors il faut simplement croire. Si tu crois, bien-aimé, tu vas voir ces choses s'accomplir. Ta parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi. Et le verset 11 dit ceci. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Quand tu crois en lui c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors si tu crois en Christ, c'est que tu dois croire aussi à la parole que Christ a donnée. If you believe in Jesus, or means you need to believe in his words. Et quand tu crois à cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu es sauvé, tu as ça. You're saved. Alléluia. Amen. Donc bien-aimé, deuxième chose qui peut motiver cela, the second thing that can motivate it, c'est qu'il faut croire dans ton cœur. You need to believe in your heart. Il faut croire. Tu entends, tu comprends, c'est la parole, cette parole-là, il faut croire dans ton cœur. Ça doit te pousser, te motiver, bien-aimé, dans le Seigneur. Il ne faut pas croire simplement parce que tu as entendu et ça reste là. Ça doit monter à partir du cœur. C'est pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça le principe. Quand tu crois dans ton cœur, la bouche va parler. Si tu crois ces dons-là dans ton cœur, ta bouche va parler. Mais si tu ne crois pas ces dons dans ton cœur, c'est difficile que ta bouche puisse parler. C'est pourquoi troisième chose pour activer, c'est parler avec la bouche. Parce que tu as cru dans ton cœur, alors exprime-le de ta bouche, libère-toi et parle. C'est là où Dieu, bien-aimé, a fait des grandes choses. That's how God made the humongous things. Quand nous lisons Genèse, le premier chapitre déjà, vous voyez Dieu, il a envie de créer quelque chose. So you see God created things. Et cela ne s'est pas resté dans ses pensées. He didn't stop in his thoughts. Il a cru, he believed, et puis il a parlé. And he talked. Que la lumière soit, et la lumière fut. Let the light be. Si Dieu peut le faire, nous aussi God nous pouvons le faire. Do it. Si nous croyons, bien-aimés, nous pouvons aussi parler le mystère de Dieu. Nous pouvons parler le mystère de Dieu. Donc, troisième chose, bien-aimés, c'est de parler avec la bouche. Ça ne peut que sortir de là. Il faut parler avec la bouche. Quatrième chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens, je me rappelle des gens qui avaient ces dons, et quand ils commencent à parler, ils commencent à stopper ça. Non. Quand vous parlez, bien-aimé, alors vas-y, continue encore, passez par l'action, crois ce que tu es en train de dire, passe par l'action. Vous savez, bien aimé, c'est la foi sans les actes. C'est une foi comment? Morte. When your faith doesn't have deep, donc, parce que tu crois et que, bien aimé, dans le Seigneur, tu as la bouche pour parler, il faut passer par l'action. Et il y a des gens comme ça, il y a des mots qui montent dans son cœur, mais dit, oh, Neymar, non, je ne veux pas ça. A bloquer un mot. Passe par l'action, libère-toi, parle, dis des choses que même tu ne parce que tu vas pas comprendre, dis-les clairement, vas-y, et pose des actions, allez-y, continue. C'est alors que tu vas voir que ça va se succéder et des choses vont se dire après ça. 2 Corinthiens 4, verset 13 nous dit ceci. 2 Corinthiens 4, verset 13, nous dit ceci.
Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi je fais quoi? Je parlais. J'écris, je parlais, j'écris, je posais des actes. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Bien-aimés, moi j'écris un jour, j'écris à ça. I believe one day. Et quand j'écris, bien-aimés, je parlais. Parce que j'écris. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'écris et je parlais. I believe, and then I et jusqu'à aujourd'hui, j'en parle. And that's why today I'm speaking. Jusqu'à aujourd'hui, j'en parle. Et si moi je le fais, bien-aimés, toi aussi, tu peux croire et parler. If I did it, you can also do it. C'est pourquoi Paul dit, et si j'écris, c'est pourquoi je parlais. Nous aussi, nous croyons. Et parce que nous croyons, c'est pour cela que nous parlons aussi. Donc chacun de nous peut parler lorsqu'on croit. Quand on a foi en Dieu, on peut parler, dire des mystères. C'est pas des choses dépassées. It's not old things. C'est pas des choses, bien aimé dans le Seigneur, pour, c'est pas moi, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Non, c'est pour tout le monde. It's for everybody. Et d'ailleurs, quand on connaît Dieu, on a besoin de cela, parce qu'on dit des mystères. Lis avec moi Marc chapitre 16. So let's read Mark 16. Marc 16 dit ceci. À partir du verset 15. From verse 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la nation. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront le démon et puis ils parleront des nouvelles langues. Qui vont le faire? Qui vont le faire? Ce sont les pasteurs? Hein? Alors, qui a déjà cru en Jésus-Christ dans sa vie? Alors, si tu as déjà cru en Jésus-Christ, pourquoi tu ne parles pas là? Parce que la Bible dit que chasser les démons, parler de nouvelles langues, saisir des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça ne concerne pas. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde a droit à ça. Tout le monde a droit à ça. Mais le comble, c'est quoi? The problem is, les gens utilisent ça très mal. People are using it so bad. Très mal. Une fois, je suis allé dans une église. One day on m'a invité. Church, je vais dans cette église, j'entre. I get in that church. À peine je me mets, so the time I was le modérateur saying, demande maintenant à tout le monde, levez-vous, allez, commencez so à parler en langue. Commencez à parler en langue. To speak in tongues. Alors, moi, j'étais invité. I was invited. Oh. Alors, quand je me suis mis, j'ai dit, oh. Mais maintenant, si je suis païen. So, I asked myself, what about if I am a pagan? Mais ça, c'est la folie. This is crazy. Tout le monde, commencez, Everybody starts to speak in tongues. Et puis, le monde a dit, insiste, parle, parle. Quand tu parles pas, pourquoi? Parle, vas-y, tout le monde, parle, parle. For everybody to speak in tongues. Non, c'est pas comme ça que Dieu veut que nous puissions utiliser ça. Il faut comprendre d'abord que les dons de parler en langue, ça concerne que la personne elle-même. Ça t'édifie toi-même. Ça n'édifie pas tout le monde. Et pas ça n'édifie pas tout le monde. Il ne faut pas le faire en désordre. Il ne faut pas le faire pour que les gens voient que tu parles en langue. Un jour, j'ai vu un pasteur, so I saw one pastor one day. Il avait l'interprète aussi.
So we have an interpreter also. Et puis, directement, elle, il prêche, il commence à parler en langue, Maintenant, l'interprète reste, regarde le pasteur, il ne sait plus rien dire. L'interprète regarde le pasteur, il ne sait plus rien dire. Et le pasteur, il parle. Non. Ces dons-là concernent que toi-même. That gift, it's for you. Ça t'édifie toi-même. C'est pour toi, pour dire des mystères à Dieu. Et nous l'avons lu le dimanche passé. Paul a dit, quand il n'y a pas bien aimé un message pour édifier l'Église, alors tais-toi. Lisons ça, bien aimé. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 14. En lisant déjà le verset 3, la Bible dit, c'est lui qui prophétise au condamné. Parlons du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Voyez-vous? Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, le verset 9. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites quand vous parlez en l'air? Comment vous prenez plaisir de parler ici et puis les gens ne comprennent pas. Donc vous parlez en l'air. How come you are taking pleasure to speak in tongue when people are not understanding? Et il va plus loin. Le verset 28. Verse 28, il dit ceci. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut interpréter, tais-toi, il ne faut pas parler. Parle pour toi-même dans ton cœur. Je l'ai dit le dimanche passé, on peut parler en langue sans que quelqu'un puisse écouter. Parce que ça te concerne que toi et Dieu. Et Paul dit ça pourquoi? Parce qu'il y avait un désordre à l'église. Vous voyez quelqu'un, il vient, au lieu d'édifier l'église, il commence à parler en langue, il prend son temps, il parle en langue, et puis à la fin, il commence à prêcher. Mais qu'est-ce que tu as dit? Bien-aimé dans le Seigneur, on a besoin de ces dons de langue, très important pour nous, mais attention, le diable aussi, il parle ces choses. Il parle ces choses. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Paul va aller très loin. So that's why Paul will go far. Le don de parler en langue, oui, c'est pour nous tous. You can speak in tongues. Mais quand vous êtes à l'église church, et que vous parlez en langue, if you speak in tongues, alors en ce moment, il faut demander à Dieu les dons d'interprète. You need to ask God to interpret it. Alléluia. Amen. Parce qu'à l'église, tout ce qu'on fait, c'est pour édifier tout le monde. At church, everything that we're doing is for all, but everybody's edification. Si vous êtes seul, tant mieux. Mais quand vous êtes à l'église, il faut édifier tout le monde. Church, et parce qu'il faut édifier tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, tu parles la langue à l'église, on doit avoir un interprète pour comprendre qu'est-ce que tu as dit. We need to know what are you saying. S'il n'y a pas d'interprète, tais-toi. Parle pour toi-même. There is no an interpreter, so you need to keep quiet. Vous êtes là? Amen. Tais-toi, parle pour toi-même. Et Paul dit, c'est pourquoi Paul a dit que, écoutez, la Bible nous surtout awa, muto le kingai azade. Donc bon, yoka on a vu sa Bible. C'était ça. Il voulait couper court parce qu'il y avait confusion à l'église. Le verset 18, il dit ceci: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? J'aime bien dire 5 paroles avec mon intelligence. Que devait dire ah bah 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 et bah 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 et faire des histoires qui n'édifient pas les gens à l'église. Paul dit dans l'équipe de nos nions, surtout dans l'équipe de nos comment?
Quand vous êtes à l'église when you are at church, et que vous parlez en langue, speaking in tongues, alors là, à ce moment, il faut qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. To interpret. Ou soit vous-même, vous avez ce don d'interpréter. Or yourself can also ou soit dans l'église, il faut qu'il y ait des gens qui ont ce don-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin aussi des gens qui ont les dons d'interpréter. So that's why we need people that are having the interpreters. Parce que quand quelqu'un va s'élever pour parler en langue, on est sûr qu'il va interpréter ou quelqu'un est là pour interpréter ce qu'il va dire ou ce que la personne va dire. Vous êtes là? Et c'est pourquoi Paul insiste, parce qu'il veut qu'il y ait l'ordre dans l'église. Je connais beaucoup d'églises et panzana pour avoir des ordres à Biloko. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'églises, pour éviter ces désordres, ils n'aiment même pas étudier cette histoire de parler en langue à l'église. Parce qu'ils se disent que non, si on accepte ça, ça va créer des désordres à l'église, alors on ne saura pas gérer ça. Et Paul avait un sérieux problème dans l'église de Corinthe. S'il y a une église qui a posé Paul beaucoup de difficultés, c'est l'église de Corinthe. Parce que là-bas, tout le monde avait des dons et tout le monde se disait que non, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est l'enfant de Dieu. L'église a besoin de ses dons. Et chacun de nous peut parler en langue. Oui, ça commence comme ça. Oui, ça commence. Ça peut commencer, ça monte dans ton cœur. Tu peux parler, tu parles, vas-y. Mais après, il faut maintenant le faire en ordre. Il faut le faire en ordre. Tu ne peux pas le faire à tout moment, n'importe où. Tu vois les gens. On est allé quelque part. On arrive là. La personne avec qui j'étais. Il était en train de me présenter chez son pasteur. On venait, il dit, pasteur, voilà, c'est... Oh, mais je vois directement, pendant que moi, on venait, je vois le pasteur, il vient là où moi j'étais, et puis directement, le monsieur qui me présentait, lui aussi, il suit son pasteur, mais moi j'ai regardé maintenant, oh, au théâtre, Tonini. C'est quoi? Je ne connais pas la personne, je viens à peine. On me présente directement. Quelle aventure, c'est quoi? Non, ce n'est pas comme ça, bien aimé dans les sens. Je suis en train de dire à tous ces gens qui pensent que les langues, c'est comme quelque chose qui fait de toi grand. Non, c'est pour tout le monde. Alors, utilise-les très bien. Ce n'est pas recommandé à tout moment de faire ça comme si tu veux. Vous savez, ces jours-là, quand je suis dans cette église, j'ai dit non, 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 je ne viens plus dans cette église ici. Il n'y a pas du sérieux. Comment vous pouvez demander à tout le monde de faire ça? Donc, vous forcez tout le monde. Alors, en ce moment, vous donnez accès aux démons d'agir. Vous savez, quand les démons sont toujours prêts, quand on prie, les langues viennent, ils sont là, ils viennent, ils agissent directement. They come and they act. Mais le mal, c'est quoi? Quand les démons amènent ces dons-là de là, pour que ces histoires quittent les corps des gens, c'est terrible. Hein? To go away, it's really je sais comment on a souffert à un moment quand nous étions là, et puis... Tellement qu'on avait envie de ces choses-là. Un jour, on était en train de prier, puis on insistait, puis les gens commençaient à parler en langue. C'était dans la confusion. Il y avait des gens qui parlaient en langue, de véritable langue des anges, mais il y avait aussi des gens qui parlaient des langues des démons. Quand on lui dit Amen, Amen, et si, Yazo continue, caca. On lui dit Amen, Amen, et si, Yazo continue, caca. Mais c'est quoi? Il parle. Amen, amen. Azo continue. Azo continue. Et c'est cette question qui m'a été posée le dimanche passé. Quelqu'un m'a posé, mais si moi je commence à parler en langue, comment est-ce que je saurai? Et puis comment est-ce que je vais couper? Non. Parler en langue n'enlève pas ton intelligence. Quand quelqu'un
ne comprend pas ce qu'il fait, c'est qu'il est possédé. Ce sont les démons qui agissent maintenant. Parce que quand vous parlez en langue, vous devez être conscient que vous parlez en langue, mais votre âme est stérile. C'est maintenant l'esprit qui est éveillé. Mais quand quelqu'un il parle en langue, il parle et vous dites amen et si le kata. Il continue toujours. Non. Et amen ma sœur, c'est fini parce que vous savez quand quelqu'un dans l'église quelqu'un parle comme ça. So when a church someone is speaking like that. Alors s'il n'y a pas d'interprétation, il faut stopper. So you need to stop when nobody. Alors mais quand quelqu'un insiste, il continue toujours. C'est pas normal. It's not okay. Et on a eu de sérieux problèmes pour chasser ces démons dans la vie de ces gens-là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous désirons le don de parler en langue. So we need to speak in tongue. C'est bien pour nous. It's okay for us. Mais il y a l'ordre aussi. So we need to have order. On ne le fait pas n'importe comment, n'importe où. Do it whatever we want. De fois, l'esprit, l'âme, quand il vient, je vais, des fois, je peux sortir un mot, deux mots, mais après, je dis, eh, non, je dois bien maîtriser. Alors, je commence à parler moi-même à l'intérieur de moi. Parce que si je pars le don d'interprétation, je ne peux pas. Mais quand quelqu'un parle en langue à l'église pour tout le monde, ça signifie qu'il a un message pour tout le monde. Alors, en ce moment, il faut interpréter. C'est là où nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, de ces dons de prophétie. Le parler en langue plus interprétation égale prophétie. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est à l'église, quelqu'un parle en langue. J'avais un ami, il est déjà mort, paix, que Dieu soit glorifié. Cet ami, quand il s'est levé, vous êtes à l'église. So you are at church. Quand il se lève, il commence à parler en langue. Start to speak in tongues. Et puis, vous savez que ça, ce n'est pas le parler en langue de soi, c'est un message qui vient déjà. So you know that God is about to talk. Parce que vous sentez l'autorité de sa voix. So you can hear. Et quand il parle après, c'est un silence pendant quelques secondes. You have et il commence maintenant à parler. And start to talk. On a vu des gens en train de trembler. Des gens m'ont dit, pasteur, n'a eu pour ça qu'on soube à la bilamba. So people were kind of scared sometimes. Parce que ce qu'ils disaient, c'était vrai. Et c'était un message qui était donné à l'église. It was a message for the church. Donc, le parler en langue plus speaking in tongue plus interprétation égale prophétie. Prophecy. On va en parler de la prophétie par la grâce de Dieu le dimanche qui va venir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Bien-aimés dans le Seigneur, on ne force pas ces choses, mais on a ça en nous. Et Dieu veut que nous tous nous puissions parler. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te retient? What is stopping you? Je parlais de quatre choses qui activent cela. Ne dis pas que non, moi je suis déjà à l'âge, et bon, ces histoires, c'est pour les jeunes. Non, ça concerne tout le monde. And this is just for young people. Je prie pour que l'Esprit de Dieu t'éclaire. I'm praying for the Spirit of God to shine. Et que ces dons de parler en langue soient aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. J'ai vu des gens bien-aimés dans le Seigneur. I saw people. Ils n'ont pas parlé en langue à l'église. Mais quand ils sont rentrés à la maison, les dons ont commencé. Quand ils étaient en train, bien-aimés, de conduire, les dons ont commencé. Ça peut te toucher n'importe où, n'importe comment. Mais l'essentiel, c'est que les dons commencent et après, on va canaliser. Je prie pour que l'Esprit de Dieu t'emporte dans la présence de Dieu. Que l'Esprit de Dieu change ta façon de voir Dieu. Et que ton esprit se libère de tout ce qui t'empêchait de recevoir de Dieu et sa puissance. Je libère l'Esprit de Dieu maintenant. Je déclare que la puissance de Dieu envahisse ton cœur. Que cela monte dans ton cœur.
Et que ta bouche parle au nom de Jésus-Christ. Que ta bouche parle au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi dans cette prière. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Répétez ce que je suis en train de dire. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Elle est la vérité. Seigneur, c'est toi qui veux être souverain dans ma vie. Et au travers des dons spirituels, ce soir, je me remets entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. J'ai écouté ta parole. J'ai compris, je crois à cette parole. Je prie, Seigneur, que la promesse s'accomplisse maintenant. Que la puissance descende sur moi. Que l'Esprit m'envahit. Que l'Esprit des dieux me touche ce soir. Que l'Esprit des dieux m'amène vers toi. Que l'Esprit des dieux me fasse connecter à toi. Que l'Esprit des dieux me fasse connecter à toi. Seigneur, je voudrais parler de merveilles. Je voudrais dire des mystères maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alors croyez-le, commence à prier, déclarez des choses. Crois que dans ta bouche, monte encore dans ta bouche. Commence à parler, bien-aimé. Déclare au nom de Jésus. Crois, bien-aimé. Crois à la prière. Et que l'Esprit te touche maintenant. Que ta bouche soit libérée. Que des mots montent dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu touche ton cœur maintenant. Tu peux le faire au nom de Jésus. L'Esprit est là pour toi. Tu peux être rempli de sa parole. Que l'Esprit t'envahisse maintenant. Que le Saint-Esprit te touche. Oh, Saint-Esprit des cieux descend. Saint-Esprit, c'est toi qui accomplis ces choses. Je libère quelqu'un ce soir. Que sa bouche soit libérée. Que tes mots, alléluia. Que tes paroles sortent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu règne sur toi. Que l'Esprit de Dieu règne sur toi. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu monte maintenant. Au nom de Jésus. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Fais cette demande à Dieu. Yemisa Nzambe, Kokisa Yango, Na Kombo Na Yesu. Au nom de Jésus. Kokisa Yango, Na Kombo Na Yesu. C'est ta puissance. Alléluia, mon Dieu. I'm not going to do that.